Monsieur comme ça. Mélenchon, vous me faites de la peine. Moi, j'espère. Oui, vous me faites de la peine parce que j'ai connu un monsieur Mélenchon qui était un républicain et qui n'avait pas peur d'affronter les religions quand elles empiétaient. C'est ce que je fais quand je viens faire un fanatique comme laissez-moi vous. Laissez-moi finir, voyez, vous ne me laissez pas finir. Ouais, bah, je peux dire de bonne foi. Donc, oui, ça vous embête ce que je vais dire parce que vous savez ce que je vais dire. Vous étiez, ça fait clair vous que étiez, vous êtes un moulin, bah, comme vous. Bah, alors là, mais oui, moi, excusez-moi, je suis pas un politicien depuis 50 ans, donc le moulin. Ouais, vous non, êtes juste. Aujourd'hui, on voit qu'il se soumet à la religion musulmane. Quand j'ai connu Monsieur Mélenchon, il disait qu'il ne connaissait pas le mot islamophobie car on avait le droit de critiquer les religions. Et aujourd'hui, évidemment, vous cherchez un électorat de substitution, Monsieur Mélenchon. C'est triste pour vous parce que vous et la gauche, vous avez perdu le peuple français. Alors évidemment, vous cherchez un électorat de substitution et vous avez trouvé les musulmans. Donc vous êtes prêts à toutes les bassesses. Regardez ce que vous dites. Vous êtes prêts à toutes les ignominies. Regardez.